10 avantages qui vous font boire du café avec amour. Le café contient de la caféine, qui aide les femmes à se débarrasser de la fatigue du visage. Réduit la taille des vaisseaux sanguins, évitant ainsi l'apparition de veines sur la peau. Le café contient des antioxydants qui aident à protéger contre les maladies du vieillissement. Stimule la production de l'hormone œstrogène chez la femme. Le café est l'une des boissons chaudes les plus appréciées par beaucoup, surtout le matin, car il a un arôme et une saveur distinctifs. Par conséquent, nous vous invitons à vous familiariser avec les 10 principales raisons pour lesquelles vous devriez boire du café avec amour. 1. Le café améliore la santé des vaisseaux sanguins. Le café augmente la production d'oxyde nitrique dans la muqueuse, la fine couche de cellules qui tapissent la surface interne des vaisseaux sanguins, ce qui améliore la force musculaire des vaisseaux sanguins. Boire du café contenant de la caféine augmente la pression artérielle à court terme. Aiguë, surtout si vous en buvez de très grandes quantités, mais la tension artérielle revient à la normale lorsque le café est sans caféine. Diverses études ont montré que 8 semaines de consommation de café réduisaient considérablement les lectures d'hypertension artérielle. 2. Le café améliore le taux de cholestérol dans le sang. Le café, comme le thé, contient de nombreux antioxydants qui aident à améliorer le taux de cholestérol dans le sang et aident ainsi à se protéger des maladies cardiaques. 3. Le café améliore les réactions. Un grand nombre d'entraîneurs sportifs ont rapporté que l'utilisation de caféine dans le café permet d'améliorer les compétences dans tout sport pratiqué, en particulier lorsque les joueurs sont privés de sommeil. 4. Le café réduit le risque de cancer du foie et de cirrhose. Le café contient une substance appelée praxanthine. Ce produit chimique ralentit la croissance des tissus cellulaires dans le cancer du foie et la cirrhose. 5. Le café réduit le risque de diabète. Le café a un effet inhibiteur sur l'hyptoxique peptide amyloïde des îlots humains que l'on trouve normalement dans le pancréas. Cet HAPP a été trouvé chez des personnes atteintes de diabète de type 2. 6. Le café prévient la maladie de Parkinson. Des chercheurs ont découvert que la consommation quotidienne de tasses de café réduit l'incidence de la maladie de Parkinson. C'est une maladie qui provoque des défauts et des perturbations au sein du système moteur humain, ce qui entraîne la perte de cellules cérébrales. 7. Le café empêche la carie dentaire. Une substance appelée tanin dans le café réduit la formation de dépôts et empêche certainement une personne de la présence de caries dans les dents. Boire du café réduit également la croissance de bactéries telles que le streptocoque qui sont responsables de la carie dentaire. 8. Le café prévient les maux de tête. Le café affecte les nerfs du cerveau, car il aide à réduire la taille des vaisseaux sanguins, donc boire du café au début des maux de tête réduit les risques de maux de tête sévères. De plus, boire du café prévient la dépression chez les femmes. 9. Le café réduit la fatigue et la douleur. La consommation de café contenant de la caféine une heure avant un exercice intense peut aider à prévenir la fatigue. La caféine contenue dans le café contient un produit chimique appelé adénosine qui active les récepteurs de la douleur dans les cellules. 10. Le café garde la peau saine. On pense que le café aide à maintenir une peau saine. Les antioxydants sont connus pour prévenir le cancer de la peau et les maladies liées au cancer de la peau. Le café aide à se débarrasser des radicaux libres de la peau. Cela réduit l'apparence des problèmes cutanés tels que l'acné et l'eczéma.